PIGD, nous sommes les citoyens et nous engagés pour le développement communautaire. Je dis, c'est un sentiment de joie, un contentement, full contentement pour moi, pour nous présenter le projet. Le projet, c'était le programme de lutte contre la pollution des Belges et la pollution de la commune de Vallières. Je suis vraiment intéressé pour être capable de participer ensemble avec toute l'équipe. Là, il est important pour être capable de monter une équipe, pour être capable d'organiser un genre d'activité comme ça. Parce que là, on a regardé la carrière, nous avons déjà ça en perspective. Mais là, on a regardé la carrière, nous avons lié, nous avons gens que de chez lui-même, il a vraiment pas de problème. Nous dit que et jouer une possibilité pour nous participer dans un tel programme, ça a facilité nous entamer ensemble avec le processus gestion de chez dans la cour la carrière. Normalement, jeudi à nous recevoir monde d'un jour qui venir ensemble avec nous pour venir inaugurer le travail que nous fait pendant des mois dans la commune. Et projet, nous avons commencé pour nous faire une campagne de sensibilisation ensemble avec Mounio pour nous montrer comment on peut gérer Fatra. Après, nous avons passé dans l'étape pour nous faire nettoyage, non seulement faire nettoyage, et puis nous avons fait une pile plantation pied-bois dans l'espace bord rivière, côté nous qui a nécessité pour ça. Et puis nous avons créé ensuite un site de déchets, côté pour qui recevoir des déchets ça. Je dis, je suis vraiment content ensemble avec nous pour nous capable présenter nous le site de déchets qui est Vallières. Donc nous sommes capables d'entrer avec nous pour nous capables visiter. Donc ici à ce site de déchets pour pour commune. Donc site de déchets ça a été possible avec projet PIC 2A. Nous même nous avons postulé là-dedans et nous avons réussi. Donc nous avons eu une chance de participer. Fatra n'a pas utilisé, il y a ces deux types. Il y a Fatra qui est capable de dégrader. Gen Fatra tout pas capable de dégrader. C'est ça qui fait là nous capable nous gagner deux espaces. Espace ça c'est espace côté nous mettez Fatra qui pas capable de dégrader tant qu'objet plastique yo. Donc qui ça doit faire objet plastique yo? L'objet plastique yo arrivé en grande quantité, ça veut dire espace là pour aller plein. Donc nous gagne plan chercher organisation qui chercher objet plastique ça ba pour capable faire l'autre et pour capable recycler yo. Donc souvenez avec moi là encore. Ou après, là, il y a un autre espace. Ou espace ça plus gros. Ça, c'est espace qui est réservé pour les déchets biodégradables. Ça veut dire objets nous capables de compresser pour faire compost. Donc, qui ça a fait ensemble avec vous? Moi-même, en tant qu'étudiant en agronomie, il y a un autre monde dans le projet qui s'étudie en agronomie. Qui ça nous a comme positif? Qui ça nous a une idée? C'est quitter les déchets ça dégradé pour nous capables de venir pour nous faire compost. En plus, il y a plusieurs organisations qui viennent faire. Et pépinière ici a, qui compte besoin de compost pour pas jeune. Donc dans l'espace ça, il y a besoin de compost pour capable et pour capable faire planture. Donc c'est ça qui site de déchets a. Oui, la mairie était au courant de tout ça nous t'a fait. Yo te chita parler avec nous, ban nous idée qui ça nous doit faire. C'est vrai on pas de possibilité pour te ban nous site de déchets a, parce que on pas vraiment gain côté on gain on pas vraiment approprié pour mettre le. Parce que nous ne pouvons pas mettre Fatra dans le figuier. Nous avons plus ou moins un côté qui est réservé pour ça. Mais la mairie a aidé nous en sorte que pour le projet soit capable de réaliser. Pour le projet soit capable de camper, c'est la population qui paye 100 gouttes chaque mois. Et si avec 100 gouttes, il y a pour Fatra, pour nous acheter Fatra et sachets pour mettre Fatra. Et puis c'est à Cres comme ça qu'on a fait économie chaque année pour nous capable de payer l'espace là. L'implication de la communauté a été faite à partir de. Sensibilisation. Nous passons par ménage, nous parlons ensemble avec nous, nous expliquons aux gens et déchets eux-mêmes qui impact qu'ils sont capables de faire sur eux de façon néfaste, là que eux-mêmes ils prennent eux, ils jettent dans la rivière et qui maladie ça a causé sur eux-mêmes, soit malaria, etc. Donc ça a facilité nous eux-mêmes, ils comprennent nous et puis nous avons gagné un grand pourcentage qui accepte de monter à bord ensemble avec nous. C'est ça qui fait que je dis à nous avons beaucoup de ménages que nous distribuons et sachez par eux-mêmes. Et demain samedi, nous avons gagné des gens qui ont passé pour recueillir tous les déchets pour nous mettre dans ce site-là pour l'activité capable de continuer à faire chemin.